à la Nevers et ensuite qui est porté au conservatoire de Dijon. Il a obtenu 7 médailles d'or, notamment saxophone, mais aussi piano. Il a passé plusieurs concours en soliste et en musique de chambre et il a gagné de nombreux prix à cette occasion. Il a été notamment saxophone soprano dans un quatuor mais en fa 6 et il est aussi membre d'un duo Fantasia en tant que pianiste. Il se passionne aussi pour la composition et il reçoit pour cela de nombreuses commandes pour différentes formations. Ses œuvres sont jouées en concert et sont aussi des œuvres imposées dans les concours et les conservatoires. L'œuvre maestro saxolino que je vais jouer ce soir en compagnie de Christophe au piano se compose de 4 mouvements différents. Alors nous commencerons par un andantino, suivi d'un allegro et d'un troisième mouvement plus calme, tout cela pour finir par un allegro vivace. Thank you.